Et salut tout le monde, c'est Jérémy ou Traxify, hein, connu sous peut-être Traxify parce que j'ai fait un montage qui est passé sur code QG, donc si vous jouez à Call of Duty tout ça, peut-être que vous connaissez. Donc je vais commencer un let's play parce que Minecraft là je suis en train de vraiment me mettre dedans. Enfin, j'y joue depuis le mois de la sortie de la bêta et tout ça. Enfin j'y joue depuis tout début quoi, j'ai commencé le mois où c'est sorti. Mais j'ai envie de... Oula, c'est un bon petit site ça. J'ai envie de faire un let's play parce que j'ai des mondes par-ci et par-là, j'en avais commencé un. J'avais fini par en fait le plus continuer. Donc je me suis dit que ça servait à rien de vous faire un let's play là-dessus. Donc, chaque fois que vous me revoyez dans la vidéo, j'ai avancé de 300 mètres. Enfin j'ai avancé de l'équivalent de 5 épisodes. Je me suis dit que c'était pas très intéressant pour vous. Ça c'est un vrai compte ici là, par des cochons dès le début, c'est très bien. Parce que les cochons ils nous donnent de la bûche, et de la bûche on en a besoin. Par contre ce qui m'inquiète c'est que j'ai pas vu d'arbre. Je vais rester ici toi merde. Eh bien il me l'entend. Si je pouvais aller dans cette direction là ça m'arrangerait quand même. Hop. Je commence par tout à l'envers moi mais bon. Maintenant on a déjà 11 bouffes. Voilà. On sait qu'il y a des cochons putain de brins. Excusez-moi pour le petit blanc. No village found. Ah, mon mode de map il s'est viré, c'est bien ça. Enfin, j'avais la petite map là, je sais plus comment il s'appelle ce mode. Enfin, c'est une mini map peut-être, je sais pas. J'avais le mob. Eh b. Plein de cochons. C'est des petits cochons, ils vont que... Et des vaches. Là, c'est parfait. On a tout ce qu'il faut. Donc, c'est un bon petit site. Donc, dans ce let's play, je compte faire une grande maison. Avec beaucoup de choses en redstone, quoi. Donc, melon farm, wheat farm, pumpkin farm, chicken farm, golem farm. Il faudra que je trouve un village. Donc, je vais me servir sûrement de ADMI, de Admist. Donc un logiciel qui vous montre la carte de Minecraft, votre carte, et où sont les prochains villages. Vous pouvez même vous faire téléporter là-bas, hein, mais bon, ça je vais y aller moi-même. J'ai pas besoin de me faire téléporter pour trouver un village. Donc voilà quoi. Donc, un peu de bruit. Je vais servir du bois moche, là, du bois jaune pipi. Là-bas il y a l'air d'avoir une caverne. Une caverne. Et des cochons. On va faire. Hop. Huit petits sticks. Plus, un peu plus. Une pioche en bois. Je préfère garder mon bois pour une prochaine pioche plus puissante. Ah bah voilà, j'ai une caverne. Donc on va faire directement des pioches en pierre. Alors voilà, on va faire directement les pioches en pierre. On va prendre 12 comme ça on peut en faire plusieurs. Et voilà, alors ça fait combien de temps que je récorde déjà? Quelques minutes, c'est pas grave. Bon alors, on va faire une. Oh bah donc tac. Voilà. On a trois petites. Voilà. On a trois petites pioches. Un petit coffre pour sécuriser nos affaires donc. Ouais, bon, c'est pas très riche, hein, mais. J'ai envie de dire que c'est déjà mieux que tout ça, que rien du tout. Bon, c'est un four, faire que sa petite boubouche. En faut 9 de morceaux de pierre. Petit strap jump. Hop. Petit four. Oh les petits fourrés de ma vie. On va se faire une hache. Hop. Fail. Deux petits fourrés fous là. On va les couper du bois. Comme ça on pourra s'en servir sans avoir de problème. On va essayer beaucoup plus vite.
voix, ça me fait vraiment... Bon, ça m'embête. Hein. Ça m'embête beaucoup. Vitesse de l'éclair. Avec un peu de chance, on aura du sapin. Oui, peut-être que mon accent, si j'ai un accent, je sais pas du tout, peut-être un accent du Nord. Parce que bon, c'est au Nord, maintenant. Oui, malheureusement. J'habite, non. Salut. Ah, bah du sapin, il y en a déjà partout. Oh, du sapin. Ah bah, on a déjà 21 dans ce bruit. Oh là. Oh putain, je parle allemand maintenant. J'ai pas touché ma petite de craft et je me cherche en plus. J'en ai même pas besoin, je suis con. Hop, hop, hop. Voilà du sapinge. Hop, le sapinge, on peut s'en servir pour cuire notre viande. On peut déjà s'en servir. Et donc, pendant ce temps-là, on va essayer de trouver du trouvio, du charbon. Ah bah. On est en quel mode normal? Ah bah. Venez par ici, bande de nourris. Je vais venir laisser venir par là. Ah, venez. Tout de suite les trickshots. Du gravier, je pensais maintenant que c'était déjà du... C'était un donjon. Ah, y a pas l'air d'avoir de charbon ici, c'est pas bien ça, on va devoir aller avancer dans le mine. Bon déjà on a de la viande, c'est déjà un grand pas pour l'homme et un petit pas pour... Wow. Wow. Si on fout bien 4 bouts de bois dedans. Allez, y'a... On a déjà faim. Faudrait du charbon directement là, si je rentre dans une cave, tout de suite dans mon charbon. Je puisse me faire une petite torche. Mais par contre, je n'ai pas décidé à un moment donné. Dommage. Cette cave là, si m'a l'air trop prometteuse. Oh. Mais dis donc, c'est une abomination par ici. On fait pas ça à des nouveaux gens. Je viens d'arriver, dis donc. Voilà, donc, on ne fait pas ça. C'est incommode. Ah bah, ah, quelle aveuglité. Quelle aveuglitude. Est-ce que ça se dit, ça? Prends ça. Abomination. Alors, on va prendre direct le charbon. Et on se casse. On a déjà deux bouts, ça ira. Non, on en a un, je crois. Je sais pas, continue. J'ai pas fait gaffe à combien j'en avais pris, dis donc. Hop. On va deux. Du charolé. Oh putain, pourquoi je rouvre toujours ma table de craft pour faire des torches et tout ça? C'est tellement inutile. Je vais garder deux bouts. Jeter ça. Hop. Hop. Ça c'est de la bouche aussi, la rotten. La rotten flèche. Alors, on a déjà un peu de lumière. Oh, la musique, punaise. Pardon, oups, là j'ai loqué. Eh ben ça fait un beau bruit, non. Du liron. On dit du fer, dis donc. En français. Oh, bon vieux François. Hop, avec la pioche, on s'en fout, on s'emmerde pas. Allez hop. On va prendre un peu de... pâté. Déjà notre but premier ça va être trouver de la redstone et du diamant. Comme tout le monde en fait. Et déjà du fer, c'est déjà pas mal. Et un peu de carbone. Enfin un peu plus quand même. Oh dis donc monsieur. Eh bah c'est pas passé loin dis donc. C'est enfer. On va aller se réaccommoder un petit peu. Sinon on va mourir, hein. C'est pas bien. Mourir, c'est pas marrant. Et oui. Ça m'a pris ça maintenant aujourd'hui que c'est pas marrant de mourir. Hop hop.
gravier. Du dirt. Et un os. On devrait peut-être pas se crafter une TTP. Oh les dis donc. Ah, qui démon. Hop, merci de bruit que tu veux, oui. Ah non, une épée c'est comme ça. Faire deux de vieux suffire. Hop, on a 30 sticks. 30 sticks à pâté. Si y a vieux la nuit qui tombe, je suis pas loin, je suis un peu dans le brin. Bonne vie technique du bug là, je sais pas si c'est un bug en fait. Oh la forêt. Moi la pas forêt pour les deux derniers. Oui, allez. Oui zombie, j'ai entendu. Voilà, encore plus. Toujours plus. Toujours plus haut papa, toujours plus haut. Profite pour prendre un peu de cobblestone. Hop. Allez hop. Il doit y avoir quelques entités par là parce que je lag. Je comprends bien pourquoi. Oh non d'un crâne idiot. Pourquoi je lag? Pourquoi je lag? Allo? Pourquoi que je lag? On va prendre notre train stick. On va tout utiliser pour des torches hein, pour le montrer sur ce petit instant. Allez hop, ça compte. Et on va aller faire dodo. Enfin, pas de lit, mais on va aller faire dodo quand même. On va à vrai dire, s'enfermer dans la caverne. Ce qui n'est peut-être pas le meilleur plan qu'on puisse avoir, mais... Ça on n'aura pas de monstre externe. Normalement il n'y a aucun monstre qui passe sous un trou dans un trou de 1 par 1. Enfin, un foison. Quel foison. Voilà, un peu plus de charbon, du métal, du fer. Ah ouais, c'est déjà bien, on va déjà prendre tout ce qu'il y a là. Moi ce que je fais, hein, c'est que je ne construis jamais de maison au début de partie, je sais pas tout pourquoi tout le monde construit une maison. Moi d'abord je m'abrite dans une caverne, enfin je m'abrite. Je trouve une caverne, je la ferme. Bon là j'ai foutu mes affaires à l'extérieur comme un con. Mais je la ferme et après je vais chercher les minerais dedans et puis je me défends si jamais il y a quelque chose. Hein. Je crois que je trouve ça inutile de construire une maison qu'on détruira de toute façon. Et hop, plus de fer. Toujours plus haut. Allez hop. Et voilà, on peut continuer. Ah non, on peut pas. Oh, encore un, et après. Voilà, c'était prévu, elle casse. Oh la vie au capote. Est-ce qu'il trouve un village? No village, no village found. Tout ça c'est un petit mode hein, qui vous dit où il y a un village. Qui vous dit quand vous êtes proche d'un village plutôt, parce que il en trouve pas. S'il est trouvé, la distance que vous voulez, que vous... Oh, c'est quoi ces coups de lag là? C'est la première fois que je lag en let's play. Qu'est-ce qui se passe? Alors attendez, j'ai regardé mes vidéos settings. Fast. View bobbing. Ouais, bah, pourtant tout est normal. Hein. Ah bah... Ah, je comprends pas. Alors là-bas il y a l'air d'avoir un zombie.
façon maintenant on a de quoi se défendre. Hop. Tout le carbon. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va me le dire, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Un peu d'iron. Oh, un seul. Espèce de radin. Ah bon, tu veux jouer avec moi? Ouh, Strafe Jump. Ouh. Boom, 3 hits, motherfucker. J'avais déjà capoute ma pickaxe. Pourquoi je fais ça avec ma pioche en fait? Je sais même pas pourquoi je le pète du tout. Je sais pas. Ah oh, mais ça m'énerve ces coups de lag là. C'est le cinquième let's play que je fais, c'est la première fois que je lag. Oh, il m'embête ce jeu, dis nous. Je veux programmation de brin là, Java. Enfin Java. J'envoie des cavernes. C'était pas Martin quelque chose, Martin. Martin matin. Tous les matins, on se lève. Martin matin. On se demande que qui l'attend. Des ailes de dragon. Le dragon. Oulala, là là, c'est bien tout ça. Bien tout ça. Un creeper. Et lui, tu fais plus de mariole maintenant, hein? Ah bah si, il a fait trotte quand même la mariole. Ah bah, on a eu dans les fesses. Rien que une tête de dragon. De dragon. Oui, je sais, merci. Je chante très bien. Oh, qu'est-ce qu'il y avait au par ici? On voit rien en fait. Oh, du charbon. Ah bah. On arrive sur une autre mine. J'avoue qu'un spawner dès le début là ça m'arrangera bien quoi. C'est con ça. Rien d'y pas ici toi. Spawner un squelette encore plus. Il y a de l'eau là-haut. Ah non. Alors. Il y a de l'eau là-haut. Qui est-il d'un air endormi? Donc c'est pas qu'on s'ennuie mais. Quand même. C'est quand je serai un peu les fonds aussi je trouve au niveau du diamant. En même temps je suis niveau 5. Oh merde, je suis encore avec mon F3 activé mais. Ah, j'ai tellement l'habitude de jouer avec maintenant que j'enlève plus. C'est une habitude chez moi, vous savez, en tant que professionnel. Les joueurs professionnels ont beaucoup l'habitude de faire des choses plutôt absurdes. Pour une qualité de jeu maximum. C'est bien connu. Donc j'ai des escaliers pour pouvoir remonter, dis donc. Alors ce que je voudrais faire, c'est peut-être mon réparer ici, dis donc. Oh, c'était inutile. On peut redescendre, on doit pas faire un escalade vers le bas. Je sais pas ce que c'est lag là, tout le temps dès que je descends, ça fait des genres de mongolito là. Mongolito. Mongolus. Mongolus, poil à l'anus. C'était peut-être pas très utile ce traite. On arrive encore sur une carré. Tandis que je m'enfonçais dans la pénombre. Ce que je savais pas, c'est qu'un petit squelette m'attendait dans le coin sûrement qui va me tuer. Eh ben non, parce qu'elle est pas là. Et après j'attendais un zombie qui me disait bonjour. Et puis que moi je le disais pas bonjour, alors il va essayer de me tuer après.
Parce qu'il n'est pas gentil, le monsieur. Alors... Parce que le petit bison, il n'est pas gentil avec moi. Parce que moi, je suis pas gentil avec lui. Donc il me dit pas bonjour la prochaine fois. Battez. Allure. Prenons ce cher bon et allons... Et allons-nous-en, dis donc, Jean-Pierre. Qu'en penses-tu? Ah non, prenons ce fer d'abord. C'est très intelligent, dis donc. Merci. Merci de son conseil précieux. Qui ne se serait parvenu à l'esprit et s'entoué. Alors prenons encore plus de fer. De minerai de fer, plutôt. Puisque le fer, nous devons le faire cuire pour en avoir... Petit jeu de mots, le fer, nous devons le faire. Dis donc, je suis drôle. Un petit comique, ouais. Vous voyez, voilà. Et lui, il y aura combien d'armes? Ce n'est pas bon signe, dis donc. Alors, en tant que joueur alpha, comme dirait Fantasio, j'ai l'habitude de conserver les sources d'eau. Mais en tant que joueur alpha, en fait, j'ai pas du tout l'habitude de conserver les fuites d'eau. Mais bon, apparemment, ça peut être utile, donc on va le faire. Dis donc, on battait. Hop, c'était pas très loin à passer qui a fait pas le boom. Parce que moi, si j'avais pas le boom, eh ben, je serais plus sur la terre. Et ça, c'est un petit peu con, parce que moi, j'avais pas à pouvoir et ma punaise de souris, elle bug. Donc je sais que j'ai juste à creuser un peu plus loin, dis donc. Et oui, on va y continuer. Oh, c'est intéressant, dis donc. Allons Tsuruk, j'allais dire, c'est de l'elme. De l'elme. Sur ce, retournons dans notre maison. La caverne. La caverne n'a pas de dieu, numéro 2. Un kraken qui... Ah bah tiens. On peut être un petit cratère dans le sol de monsieur. Faire une marche pour pouvoir remonter après, parce qu'après si on peut pas remonter après, le monsieur il va pas être content, puis il va dire non. Puis après il y a un zombie, il va faire ah bâtard. Il va me faire peur. Et lui, nous irons après. Je n'ai pas envie de m'aventurer dans des endroits plutôt dangereux. Comme tel ce saucisson sec enragé par l'enragement. Donc, combien de temps filmons-nous? Depuis combien de temps filmons-nous d'un français correct? Oui. Donc je pense que je vais arrêter cet épisode ici, et sûrement nous retrouver dans les deuxièmes épisodes où j'aurai été explorer un petit peu plus parce que c'est assez ennuyeux. Donc ouais, je pense qu'on va se retrouver dans le deuxième épisode, j'aurai sûrement avancé, trouvé peut-être un peu plus de minerais quand même parce que là je trouve rien du tout. D'ailleurs, une vache dans le... Oui, le monde réel est assez bizarre. Toi tu vas mourir, t'es mort. Oui bien sûr, elle est sortie d'un pas là. Elle a fini, elle a dit bonjour à moi, puis moi j'ai dit bonjour, et puis elle me dit au revoir. Alors moi j'ai arrivé, puis j'ai fait mon épée, puis elle a fait ah, puis moi j'ai dit ah, puis elle a fait ah, puis moi j'ai dit redit ah, et puis je l'ai tué. Puis après elle a fait meu, et puis en fait elle était pas morte, parce qu'en fait je sais pas tuer une vache. Parce que moi je suis homosexuel, non je dis que pas de les homosexuels, ils sont gentils les messieurs. Alors, donc je vais prendre ces morceaux de fer. Et après je vais arrêter l'épisode et vous dire à plus à tout le monde. Donc j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Si c'est le cas, ne mettez pas de like, parce que je voulais. Non je déconne. Si c'est le cas, bah si vous avez envie de mettre un like, hein, vous en mettez un. Bon, je regarde plutôt. Bon, vous mettez des commentaires, hein, c'est des commentaires, j'accepte tout, hein, je supprime pas. À part ouais, t'es un merdeux là, vas-y dégage, t'es une explosion, c'est de la merde. Tu vois ça, je vais supprimer.
Donc toi, petit troll qui arrive, ne mets pas de commentaires comme ça. Comme pas tes commentaires qu'il faut pas gentil, puis qu'après les monsieur ils pleurent quand ils les regardent. Parce que moi je suis triste après quand je regarde les commentaires, et puis que monsieur me dit, ah t'es un PD toi. Putain, pourquoi je dis toujours qu'ils sont des PD? J'ai rien contre vous. J'aime bien les homosexuels, ils sont gentils. Alors j'entends la blague dans les commentaires. Oh, t'en es étonné hein, toi de même. On le savait tous. T'as vu, t'as pas de puceau. Alors non, ouais, c'est au genre de commentaires, je les supprime hein, parce que c'est pas utile, hein, c'est pas constructif. Donc de, par exemple des commentaires genre ouais tu devrais faire ça, ça et améliore ça, bah, ça m'aide beaucoup, donc je précise. Donc je vous dis abonnez-vous si vous avez envie, mettez un like si vous avez envie, favoris si vous avez envie. Bon j'imagine pas que, j'imagine que des favoris ça va durer avant que j'en ai, enfin des gens qui mettent en favoris. Mais donc je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Et on se retrouve dans l'épisode 2 où on ira quand même construire un début de maison. Puis dans ce début de maison sûrement faire une mine optique. Donc on se retrouve plus tard. Allez, salut à tous, portez-vous bien. Le nain se retire. Oui, je suis un gnome. Ça se fait super bien avec le sujet. Donc salut à tous et bisous.